Il paraît que tu as fait la connaissance de Ouklamath et de ses compagnons, Jar. Garde le silence si tu veux. Nous verrons bien ce qu'il manigance en temps et en heure. Lorsque ta patrie et ton peuple étaient au bord du gouffre, tu t'es montré incapable de les protéger. Consciente de ta faiblesse, tu n'as pas eu d'autre choix que de t'en remettre à moi. Ouklamath et ses étrangers ont beau être sympathiques. Tu ne peux pas te permettre le luxe de négliger mon pouvoir. N'est-ce pas, Jar? C'est vrai, mais... ta sœur a dit qu'elle considérait le peuple du Tulliolal comme sa famille. Son amour pour ses sujets a l'air si pur et sincère. Je ne veux pas qu'elle subisse les mêmes tourments que moi. Et puis, les amis de la Machi, de Ouklamath, semblent détenir des connaissances qui nous manquent encore. Avec leur soutien, il n'est pas impossible que nous parvenions à trouver une autre voie. Je sais déjà ce que tu vas me répondre, mais... et si nous profitions de cette occasion pour faire la paix avec le Tulliolal? Nous avons déjà commis l'impardonnable, alors pourquoi continuer? Pourquoi s'enliser dans une guerre où les membres d'une seule et même famille s'entretuent sans relâche? Allons bon. Te voilà en train de prêcher la piété familiale à un parricide. Belle ironie, Jar. La plus amère des déceptions. Voilà tout ce que mon père m'inspire à présent. Ces vieux os décrépits avaient déjà eu raison de lui avant moi. Toute ma vie, j'avais attendu ce moment. La preuve indubitable qu'un prodige sommeillait en moi. Quelle misère, Jar. Mais peu importe. Je ne laisserai aucun obstacle entraver mes plans. Voilà pourquoi il devait mourir. Et bientôt, Ouklamath et Koana le rejoindront dans l'au-delà. Quand je pense qu'ils l'ont vaincu alors qu'il était dans la fleur de l'âge, quand bien même ce n'était qu'une illusion. Ainsi tu ne songes qu'à poursuivre le massacre. Même si vos liens ne sont pas ceux du sang, Ouklamath ne représente donc rien pour toi. Je te l'ai déjà dit quand tu étais dans la Cité d'Or et je le répète, Jar. Je n'agis que pour assouvir mes ambitions, ni plus ni moins. Ne l'oublie jamais, ta chère et tendre famille passera aussi en un clin d'œil. Si tu tiens à protéger les tiens cette fois, je te conseille très fortement d'endurcir ton petit cœur sensible. Ton savoir et tes capacités sont essentiels à notre succès. Alors réfléchis bien avant d'agir, souveraine de la raison. Ouklamath, si tu veux prouver que tu es une orarque de la force digne de notre père, viens donc me retrouver, Jar. Mais sache qu'en cas d'échec de ta part, je n'aurai aucune pitié pour le Tulliolal. Et maintenant, que faire ?